Bon, 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 bon. Vous êtes marié? Are you married? Hein? Vous êtes pas marié? You're not okay. Married. Vous avez des enfants? You have children. Vous avez combien d'enfants? How many children do you have? Deux enfants. Two. Ok, regardez. Look. À l'heure où, quand j'ai mis la main sur vous, when I lay my hand on you, vous êtes en train de traverser. You're going through une période apocalyptique. Alors je parle. Financièrement, way, tout est bloqué. Problem. Il y a cela quelques temps, vous étiez quelque part où vous travaillez. Vous avez perdu le travail. And you lose the job. De façon injuste. An unrighteous hein? Way. Oui. C'était en 2021. Oui. J'ai en octobre 2021. J'avais arrêté en octobre 2021. Oui, j'ai fait un an. Vous avez fait un an. You spend one et year. Vous, jusqu'à présent, until today, vous n'êtes pas content dans tous les cas, dans votre cœur, de ce que les choses, de la manière dont les choses se sont passées. About the way et vous comprenez? Parce qu'on vous a chassé avec des accusations. Invivable. Invivable. Les coups bas par-ci par-là. Hein? Les coups bas. Les coups bas par-ci par-là. Ok, d'accord. Ok, fine. Maintenant, regardez. Now look. Dieu va vous venger. We'll revenge you. J'ai vu l'ange de la vengeance. I saw the angel. Amen. Est-ce que vous croyez que si je prie, do you believe if I pray, Dieu va accomplir la prophétie que je vous donne? Je crois, papa. Je crois. Vous croyez en ça? Je crois. You believe in it? Regardez l'homme-ci. Look at this man. J'ai vu une main derrière vous. I saw a hand behind. Est-ce que vous me suivez? You hear me? Dans la société où vous travaillez, in the society you're working in, comme vous dites, il y avait beaucoup de coups bas. You say there was a lot of trouble around you. Et il y a eu des rapports qu'on a fait sur vous et des accusations fausses qu'on a données sur vous. Et la hiérarchie vous a convoqué. Parce que je suis convoqué dans un bureau. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Dans un bureau. C'est-à-dire que quand on entrait, c'est comme un magasin. Quand on entrait là, à droite, il y avait un petit bureau. C'est ça. Hein? Vous étiez dans le bureau. Oui, oui, dans le bureau. Et on vous a convoqué. Oui. Et laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Il y a une femme qui travaille là-bas qu'on appelait Yvonne. Hein? Yvonne. Vous avez une collègue qu'on appelait Yvonne. You had a colleague Yvonne. Yvonne. C'est elle qui a fait des faux rapports sur vous. C'est elle qui allait voir votre patron pour vous dire que voici ce qu'il a fait. Il a fait comme ça, il gère comme ça, il n'est pas fidèle, il n'est pas loyal envers les clients, il appelle les clients après. Et on vous a convoqué que vous êtes en train de détourner les clients de la société. Et il y a une jeune femme qu'on appelait Charlotte, avec qui vous entendiez, qui vous a dit que c'est Yvonne, qu'elle a appris que c'est Yvonne qui allait vous accuser. C'est votre chef. Hein? Charlotte est toujours là-bas. Charlotte est là. Bon, depuis, je n'ai plus de nouvelles. Vous n'avez plus de ces nouvelles. J'étais dans un groupe, on est arrivé dans le groupe. D'accord. Fine. Maintenant, écoutez. Now listen. Dieu va vous venger parce que quelque chose va se passer dans la société. Amen, yes. Amen, amen. Yvonne va aller voir votre chef. And Yvonne shall see your boss. Et Yvonne va voir votre chef. Shall meet your boss. Et elle va lui dire que c'est elle qui avait monté le coup contre vous. She was the one that planned. Et vous avez un collègue là-bas qu'on appelait Bertrand, oui, qui était un ami à vous, oui, avec qui vous vous entendiez. Oui, you were friends together. Et Bertrand va vous appeler. Amen. Yes. Monsieur, ouvre, attendez, c'est quoi? Vous êtes étonné? Quand je pense mal. Comment vous a fait? Oui, ok. Bon, maintenant, vous avez parlé d'Yvonne, de Charlotte, Bertrand à quelqu'un ici? Vous avez parlé d'eux ici? Non, papa. Hein? Non, papa. Vous êtes très sûr? Vous êtes sûr? Sûr. D'accord. Toute personne qui t'a fait du mal, oh yes, Dieu te vengera. Amen. Yvonne va aller confesser le mal qu'elle vous a fait. Et Bertrand va vous appeler pour vous dire que voici Yvonne a confessé et donc on est en train de te chercher. Et les gens vont vous chercher. Votre patron va vous chercher pour vous demander pardon. Et ce sera à vous de décider si vous allez reprendre le travail ou pas. Yes! Me suivez. Maintenant, regardez l'homme-ci. Est-ce que j'ai déjà causé avec vous? Ok. L'esprit de Dieu est sur moi. The spirit of God is upon me. Si je te dis de la part de l'Éternel que ta vie est restaurée, ne joue pas avec ces sérieux. Don't joke with that, it's serious. Hey. Regardez. Look. Vous savez où vous êtes. Where you are. Votre vie a des sérieux problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Serious problems. Il y a une jeune femme qu'on appelle Béatrice. Called Beatrice. Hein? Avec qui vous étiez, ça fait longtemps. C'était une de vos copines. One of your girlfriends. Vous avez partagé. You shared. C'est une fille que vous avez beaucoup aimée. Oui, et qui vous aime aussi beaucoup. Merci. Elle est où maintenant? Une nouvelle. Ça fait combien de temps?
For how long? On va occuper d'y faire 10 ans. On l'appelait comment? Beatrice. On l'appelait comment? What quelque chose s'est passé avec elle. Something happened with her. Beatrice, vous vous êtes séparé dans des problèmes. Beatrice, you separated in trouble. De sérieux problèmes. Serious matters. Et vous, c'est vous qui l'avez quitté. And you were the one to leave. Et la raison pour laquelle vous l'avez quitté, and the reason why you c'est parce que vous avez découvert because you discovered qu'elle n'était pas sérieuse. That she was not serious. C'était pas une fille sérieuse. She was not a serious girl. Mais elle ne reconnaissait jamais ses torts. She was no more acknowledging. Et Beatrice s'est fâchée contre vous. And Beatrice got angry against you. Elle s'est fâchée de vous. And she got mad at you. Et elle a pris son amie. Un jour, vous êtes allé l'accompagner pour se faire coiffer and à l'époque. Day, you took her and dans un salon où elle partait toujours se coiffer. Salon, c'est son amie qu'on appelait Sophie. Dans un salon de coiffure qu'on appelait Sophia Coiffure. In a salon called Sophia Coiffure. Est-ce que ce que je dis est vrai? Am I making sense? Ah, vous l'avez amené chez Sophie. You took vous her to Sophie. Béatrice, quand vous avez eu les problèmes, et allez Beatrice, voir Sophie. When you had quarrels, went to meet Sophie. Oh Dieu m'a appelé, oh Dieu ne and m'a pas appelé. Oh yes! Called me. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Oh, yes. Nous ne sommes pas des aventuriers dans le ministère. Non, mes amis, nous sommes des prophètes de Jésus-Christ. Écoutez, listen. Elle a vu Sophie. Elle lui a posé le problème de sa déception vis-à-vis de vous. Mais elle ne lui a pas dit la vérité. Et Sophie lui a dit, ok, j'ai un monsieur qui me suit, un marabout. Following me, qu'on appelle Papa Clément. Called Papa je vais t'amener chez lui. I will lead et tu vas lui him. Poser le problème, il va solutionner ton problème. Et elle est partie, Béatrice est allée avec Sophie chez and Clément. Left, et ce Papa Clément a fait des pratiques sur vous. Did some practices. Écoutez bien ce que je veux lui dire. Écoutez bien. Listen écoutez what bien. I want to say. Elle a fait des pratiques. She did some quand nous prophétisons, la personne est là, elle est vivante, n'est-ce pas? Yes, the person is there, elle a fait des pratiques. She did some practices. Elle a dit, and she said, qu'elle ne veut pas que cet homme this se marie. To get married again. Et elle veut qu'il soit impuissant. She wants him to be powerless. Un temps est arrivé dans votre vie in your life, où vous avez commencé à avoir des problèmes de faiblesse sexuelle sexual et vous n'avez plus d'érection. Vérité, yes! Hey! Jésus! Tu ne sais pas you don't know que tu peux être ici tranquille that you may be quiet mais here, quelqu'un avait ton nom loin. Your name for Zara Milain Wadias Buta Barianuta wa Inos. Écoutez, listen. Je prie avec vous, Dieu vous bénit. Amen. Pray with you, God blesses you. Et je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Vous avez une femme dans votre vie? Do you have a darling in your life? Hein? Elle est où? Elle est là, ici. À la maison. Où? À la maison. Est-ce qu'elle vient ici? Non, elle vient ici. Est-ce qu'elle regarde la télé? Does she look, watch the TV? Vos rapports sont comment? What are your reports? Nous sommes ensemble. Your relations. Donc, en fait, nous rapports sont déjà que si je suis vraiment prêt, je vais l'épouser. Parce qu'on a passé presque beaucoup de temps ensemble. Mais ce qui bloque ça, c'est ces problèmes de finances et autres qui m'ont empêché d'aller exactement finaliser tout du côté de sa famille. Mm. Quand je serai ici la prochaine fois, venez avec elle. When I'll be here the next time, come with her. Amenez-la. Bring her. Yes. Je vais vous aider. I'm going to help you. J'ai dit quoi? What did I say? Amenez-la. Je vais vous aider. Take her to me. Parce que, écoutez. Because, listen. Écoutez. Listen. Il peut me parler, n'est-ce he pas? May talk to me. Il me dit. He tells et je l'écoute. And I listen to him. Et j'écoute aussi le Saint-Esprit. And I also hear the Holy Spirit. Ah. Mm. Vous devez. You should. Vous devez m'écouter sérieusement. You must keep parce que si vous ne l'amenez pas, because if you don't si vous l'épousez, if you marry her, vous ne serez pas heureux. You won't be happy. Vous savez pourquoi? You know why? À cause de Clarisse. Because of Clarisse. À cause de Clarisse. Because of Clarisse. 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 Il y a une femme que j'ai vue derrière vous, I saw behind qu'on appelle Clarisse, avec qui vous avez été. Vous avez partagé votre vie avec cette fille. You shared your life et vous vous êtes séparé de la fille. Ça fait quelque temps. Sometimes, la femme-ci, ce qui est dans son cœur et ce qui est dans votre cœur, il faut la grâce de Dieu. It requires the grace of God. Il faut la grâce de Dieu. It takes the grace of God. S'il n'y a pas cette grâce, if there is not that votre grace, mariage ne tiendra your marriage pas. Won't stand. Venez avec elle. Come with her. Amen. S'il vous plaît, please. Amenez-la moi. Bring her to me. Je serai ici la semaine prochaine. I'll be here next week. Venez avec elle. Bring her to me. Je veux briser une malédiction qui est en train de crier contre vous. Amen. 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 Wow. You are free in Jesus' name. Leadership.